Les skieurs, Paris, les skieurs du point de départ. Allez, pour saluer nos amis parisiens qui sont avec nous, bien sûr, les quais de la Seine, ils ont dû skier pendant 2-3 jours. Ah, et alors ah, j'adore taxer les derniers. Voilà les derniers. Monsieur s'était mal dormi, il a pris une fondue au comté hier. Oh là là. Alors attention, parce qu'il en reste encore un wagon. Hein. Ah oui, ça part de tous les côtés maintenant. Voilà, ça c'est la montée, c'est les grandes nouveautés de la tranche jurassienne. Il n'y a pas tout ce qu'il a, il n'y a pas de casse. Chacun part à un moment donné. Et là, la puce va déclencher à 200 mètres. Il y a une petite cellule qui va enregistrer tous les départs. On le voit de plus en plus dans les courses de masse populaire. Et voilà, c'est vite le bouchon. Enfin, le bouchon, on va le voir dans quelques instants. Oui, ça commence à s'étirer. On voit l'image sur les premières pentes du réseau. C'est magique, cette 40e édition. Bon, alors, hey, pour les gens qui sont dans les box, hein, on vous retient un petit peu, c'est pour vous. Hein. On ne veut pas que ça bouchonne, ça servira à rien. Alors, on a dit en gros 5 minutes d'intervalle entre chaque départ. On attend 5-6 minutes et après on vous libère. Au moins, vous aurez la possibilité de bien vous exprimer. Et je pense que c'est bien mieux de la jouer comme ça. Bravo la tronche. Au niveau de l'organisation, des départs. Voilà, ça part. Là, on a les 2 retardataires, les 3 retardataires. À mon avis, ces gars sont des Suisses. Ah, c'est ça, les copains. Mais on était coincés par des Français sur la route, alors. Voilà, les Français, ils négocient très mal le col de la Givrine. Hein. Mikaela Givrine qui sera aux Jeux Olympiques pour remporter des médailles. Les Suisses, on vous aime, les Suisses. Là, il y a Sévan, c'est ça. Et son pote suisse. Les guerriers suisses, tu l'appelles comment, toi? Gary et Sévan. Allez, les gars, hein. Voilà mon cher Christopher, cher Sophie, un plaisir bien sûr d'accompagner tous les athlètes du côté de la ligne d'arrivée. Il est bientôt 9h45 pour vous, le chemin qui va vous conduire du côté.